Bienvenue à tous ceux qui nous suivent dans ce programme international, mondial, de prière pendant dix jours et nous souhaitons que cela vous fasse du bien. Aujourd'hui, c'est la cinquième communication. Louons le Seigneur. Seigneur, nous commençons avant cette communication par te louer pour ce que tu es. Parce que tu es fort, tu es patient, tu es capable de sauver. Nous te louerons de nous aider à traverser les moments difficiles. Pardonne-nous cependant pour les fois où nous avons essayé de réussir par nos propres forces au lieu de te laisser nous soutenir. En introduction à cette communication, je voudrais vous rappeler une promesse que l'Éternel lui-même a faite par l'intermédiaire du prophète Esaïe. Elle se trouve au chapitre 46 au verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. De même que le souverain sacrificateur à l'époque d'Israël portait les fautes sur ses épaules, et fort de la déclaration solennelle qu'il a faite, que Dieu a faite par l'intermédiaire du prophète Esaïe, et que je viens de vous citer, nous avons aujourd'hui l'assurance que notre souverain sacrificateur Jésus-Christ porte réellement et non symboliquement nos fardeaux. C'est le port de l'éphode qui était un symbole. Aujourd'hui, c'est une réalité. De plus, nous ne devons pas oublier que les souffrances de notre Sauveur qui porte nos problèmes sont plus importantes que les nôtres, du fait qu'il est sans péché, lui, et qu'il connaît parfaitement les origines de nos maux et la source aussi de nos angoisses. C'est pour cela d'ailleurs que l'incarnation a été nécessaire. Ayons foi en lui. Croyons donc qu'il est capable de nous fortifier dans nos épreuves et qu'il le fait. Il voudrait que nous soyons pour lui des témoins vivants de son amour, même dans des circonstances les plus difficiles. Notre précieux Sauveur nous a invités à nous joindre à lui et à unir notre faiblesse à sa force, notre ignorance à sa sagesse, notre indignité à ses mérites. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, déclaration de Pierre qui a expérimenté cela. Ce n'est pas une déclaration à prendre à la légère. Ce qui nous manque, ce qui fait défaut à beaucoup de chrétiens, c'est la foi, à la confiance, à la parole de Dieu. Si Jésus est la parole faite chair, c'est parce qu'il est capable de transformer toutes les promesses de Dieu contenues dans la parole en réalité dans notre chair et dans notre vie. Ayons donc foi induite. Il existe un remède infaillible pour ceux qui ont le cœur abattu. La foi, la prière, le travail. La foi et l'activité donnent une assurance et une satisfaction sans cesse accrue. Êtes-vous tenté de vous laisser aller à de sombres pressentiments ou à un profond découragement aux jours les plus ténébreux. Alors que les apparences semblent être contre vous, ne craignez rien. Ayez foi en Dieu. Il connaît vos besoins. Il est tout-puissant. Son amour et sa compassion infinie ne se lassent jamais. Ne craignez pas qu'il manque à sa promesse. Il ne rompra jamais le pacte contracté avec ceux qu'il aime. Il accordera à ses fidèles serviteurs toute l'efficacité dont ils ont besoin. Le croyez-vous Le Seigneur a dit à Paul, Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul, qui a expérimenté cette parole dans sa chair, a fait cette surprenante déclaration que nous pourrions faire aussi dans 2 Corinthiens 12. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Les forces de ceux qui aiment et servent le Seigneur se renouvellent de jour en jour. Dans le service de Dieu, il faut bannir le découragement. Que la foi du serviteur consacré demeure ferme dans l'épreuve. Le Seigneur peut et veut lui accorder toute la force nécessaire, toute la sagesse que réclament les exigences de son œuvre. La Bible dit que nos cœurs sont tortus par-dessus tout, mais Jésus-Christ, le grand médecin des âmes, qui avec compétence infaillible, lire dans nos cœurs dans le cœur de l'homme mieux que lui même mieux que l'homme lui même jésus nous a montré comment nous pouvons être purifiés du péché à ceux qui déplorent leur inefficacité et qui soupirent après le soutien du maître jésus leur répète ma grâce te suffit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos avant même qu'il ne soit placé sur nos épaules, notre fardeau est pris en considération par celui qui nous prie de le suivre. À chaque âme tentée et éprouvée, le Christ dit Je peux te fortifier pour que tu puisses accomplir les devoirs de la vie chrétienne. En regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, comme dit la Bible, nous saisirons la lumière sur notre visage. Nous refléterons son image et croîtrons jusqu'à la plénitude de la statue d'homme et de femme en Jésus-Christ. Notre religion sera attrayante car elle exhalera le parfum de la justice du Christ. Nous serons heureux pour la justice. Nous serons heureux car notre aliment et notre breuvage spirituel seront pour nous la justice, la paix. Et la joie. Ce ne sont pas de belles paroles, hein? c'est une réalité vécue. Quel grand bienfait d'être en règle avec Dieu, l'âme en harmonie avec son Créateur. Quand nous serons vironnés de la contagion du mal et par son apparence trompeuse, des anges seront envoyés à notre secours. Mais attention, mais attention, si nous invitons la tentation, nous ne pouvons compter sur une aide divine pour nous empêcher d'être vaincus. Si, dans le livre de Daniel, comme vous connaissez sans doute, les trois jeunes Hébreux avaient pénétré par eux-mêmes dans le feu, ils auraient été consumés. Mais ils ont enduré la fournaise ardente pour quelles raisons parce que malgré la défaite collective d'Israël, écoutez bien, malgré la défaite collective d'Israël devant l'armée de Nebuchadnezzar, les jeunes Hébreux avaient foi en l'amour individuel de Dieu à leur égard. Ainsi, leur confiance en Dieu avant la fournaise s'est traduite par la présence de Jésus avec eux au milieu des flammes. Il en sera de même pour vous, pour moi, pour nous tous, si nous faisons confiance à Jésus-Christ. Si nous ne nous exposons pas délibérément à la tentation, Dieu nous soutiendra quand elle viendra frapper à notre porte. Aujourd'hui, la réalité de la mission individuelle est la suivante. Le Seigneur nous porte sur ses épaules. Et dans son cœur, il suscitera des hommes, des femmes, et mettra son esprit sur eux, les préparant à l'œuvre finale qui doit être accomplie. Le Dieu de vérité lui-même les qualifiera à porter un témoignage vibrant pour lui. Ils seront des témoins pour Dieu. Ils n'iront pas de l'avant de leur propre initiative. Ils seront soutenus par l'Esprit de Dieu. À se porter volontaire pour défendre la vérité. Dieu les soutiendra. Il voit ce qui est nécessaire et année après année, il organise son plan d'opération. Il ne permettra pas aux hommes et aux femmes, ses enfants, de dériver comme ils l'entendent. Si des hommes se soumettent à son influence, je vous l'assure, Dieu travaillera en eux et à travers eux. La parole de Dieu nous le dit. Nous devons avoir confiance dans cette parole. Voulez-vous être de ceux-là? Si, de façon individuelle, tu as pris une décision, alors que ta prière soit, Père, aide mon cœur à ne pas se troubler. Augmente-moi la foi. La foi en ta présence permanente et en ton amour pour moi. Montre-moi comment, comment me soumettre entièrement. Te soumettre entièrement ma vie. Unis-moi en Christ. Unis-moi dans la proclamation de ton dernier grand cri au monde. Seigneur, tu as béni ton Église d'une extraordinaire compréhension de la vérité biblique. Donne-moi la volonté et la force de la partager humblement et joyeusement avec le monde qui m'entoure. Père, je te prie de susciter encore plus de membres fidèles pour témoigner de Jésus et de son merveilleux caractère dans leur propre quartier. Seigneur, Enseigne-moi à proclamer l'amour de Jésus au cœur de tout ce que je fais. Merci d'exaucer les voeux et la prière que je te fais aujourd'hui parce que je sais qu'ils sont en accord avec ta volonté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous.